spécialiste dans la construction des hôpitaux, la maintenance et la formation médicale. Le groupe Vamed est allé finaliser les dossiers des factures impayées et des contrats qui le lient à l'État gabonais. Possible que tout ceci puisse être bouclé dans les meilleurs délais. Nous avons fait le point avec M. le ministre sur la situation du règlement de ces maintenances et sur l'ouverture de windows et sur la prolongation des contrats de maintenance des hôpitaux régionaux, des Chibonga, Makoukou, les 6 hôpitaux régionaux. Donc c'était pour faire un point pour le futur. Pour ce qui concerne l'ouverture du CHU de Vendo, sa mise en service est imminente, mais tout commence par la formation du personnel. Le CHU de Vendo, nous sommes en train de faire la mise en service, donc en faisant la passation des locaux à la direction générale de l'Ovendo. Et nous allons commencer la formation avec le service radiologie pour une ouverture très prochaine. Et la date d'ouverture sera décidée par les autorités gabonaises, pas par moi. Mais c'est prêt, dans quelques semaines, ça pourra être ouvert et avec une ouverture progressive. Une rencontre future qui garantit un prolongement du contrat du groupe Vamed sur la réhabilitation des autres hôpitaux dans 3 provinces du pays.